We are back. Nous sommes de retour après un mois, quelques 24 heures de pause. Nous sommes de retour et de la plus belle des façons d'ailleurs. La Côte d'Ivoire, qui vous le savez, depuis le 11 février, est à nouveau champion d'Afrique, voilà, de football. Évidemment, on va revenir sur ce sacre-là obtenu au soir du 11 février, après un scénario totalement dantesque. On va y revenir évidemment. Il y a eu beaucoup de suspense. On est passé par toutes les émotions, et cela durant 4 semaines. Il y avait au total 24 équipes. La Côte d'Ivoire qui s'en sort avec la médaille d'or. On va revenir sur les grands moments de ce sacre-là. Là. Et puis on va finir tout ceci en beauté avec cette formidable cérémonie de clôture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au stade désormais épique des BMP. On va y revenir dans le détail avec Sonia, avec Gliss, avec évidemment le chef de l'État qui nous fait ce soir l'honneur de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Voilà, planter le décor, bonsoir, ce sera super. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. De la Coupe d'Afrique des Nations de football sur les terres ivoiriennes. Un mois de compétition, un mois d'émotion, un mois de challenge, un mois de peur, un mois d'incertitude et qui finalement est auréolé par une seule devise. La Coupe reste ici. Sonia, ça va? Sonia, tu as pleuré? Ouais. C'est vrai? Le jour du match du Mali, bah, j'étais à Boaké, c'était ma première fois. Ouais. Et au moment où ils perdent, je vois tous mes voisins, ils sortent du stade. Mais quand ils égalisent, ouais. Déjà... Moi, ah oui, parce qu'il y en a qui sont partis mais avant oui, le terme. Mais oui, mes voisins sont partis. Ouais.
Et donc, à 90 minutes, quand ils marquent, moi, ils ont commencé à verser de l'eau sur moi. À la 89e minute, exactement. 89e. Ouais. Et moi, je ne savais pas que j'étais aussi sensible, ouais. Mais mon cœur, il battait fort. Donc, mes voisins, mais quand on a marqué, ouais. À la 121e minute. 120 minutes plus une minute de temps additionnel, effectivement. Alors, parce que ce qui est drôle, c'est que quand on sort du stade, on n'a plus la possibilité de revenir. Mm-mm. Donc, ceux qui sont partis ont entendu wow à la fin, ils sont revenus. Non, là, j'ai pleuré. Yako, ouais. Ouais. Faut pas beau. Trop pleurer. C'était trop bien. Glis, tu as pleuré? Non, moi, mon truc, c'est de regarder les matchs par procuration. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre regarde, ouais. Et moi, je lui demande comment ça se passe, tu vois. En mode Gervinho, quoi. Exactement. Je fais, ouais. Ça va, ça se passe bien, ouais. Ok, je reviens et ouais. Tout. Donc, ouais. Moi, j'ai tout vécu. Et moi, je viens, en fait, je suis une opportuniste. Je viens après pour célébrer. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, tout au long de cette émission, ce soir, on va célébrer évidemment le sacre. C'est le troisième du genre, c'est la troisième étoile des éléphants footballeurs. L'image qu'on va surtout retenir, c'est celle-ci. C'est justement ces joueurs-là qui accourent vers celui qui l'a convenu d'appeler le premier capitaine de l'équipe nationale, le président Alassane Ouattara. C'était justement le 11 février. On va regarder ces images et les commenter ensemble. Donc voilà, c'est ces images, on regarde. Ce programme vous a été présenté par Lunacy Online.